Ça fait plaisir de vous voir sur la liste du pique-nique des quatrièmes, monsieur Vidal. Ah, vous savez, si on peut aider, hein. Chaque année, l'école manque d'accompagnateurs, mais alors là, aucun problème. Et puis beaucoup de papas. Oui, mais c'est la modernité, hein. On se répartit les tâches, c'est normal. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les mamans qui se tapent les corvées scolaires. Moi, ça va vraiment me soulager, ça. Ah oui? Parce que votre mari, il vient? Oui, je sais pas, il a absolument tenu à me remplacer cette année. Il a dit qu'il fallait pas que je me soucie, qu'il s'occupait de tout. Moi, je comprends, hein. J'ai fait pareil, hein. Ah, bon, on a petit soin pour nos femmes, c'est normal. Oh, c'est surtout madame Truche qui va être contente. Vous vous rendez compte, ça fait 20 ans qu'elle emmène les enfants se baigner au lac des Anguilles? Oui, mais c'est pas Madame Truche cette année. Ah bon? Mais c'est qui? Ah, monsieur Vidal, je voulais vous dire, oubliez pas votre maillot pour le pique-nique de demain, hein. Qu'est-ce qu'on va s'amuser, je vous promets, ça va être génial. Bonne journée. Bonne journée. Aux petits soins pour nos femmes? Bande de gorilles, là. Oh, je... est-ce que... Ricodo. Oui, monsieur. 19,5, très bien. 19,5? Vous êtes certain? Mais j'étais persuadé d'avoir 20. Faites voir. Ah, autant pour moi. Je me suis trompé. 17. Quoi? Mais c'est injuste. Vous savez, Ricodo, il n'y a pas que la justesse du résultat qui compte. Il y a aussi la présentation. Regardez-moi ça. Un véritable torchon. Je le dirai à mon père. Dire quoi? Que vous étiez absent sans motif le jour de l'interrogation? Mariani. Bonjour, monsieur Mariani. Bonjour, je peux vous parler en tête à tête deux minutes, s'il vous plaît, c'est au sujet de Mathilde. Un problème? Oui, non, en fait, voilà. Mathilde était bien chez votre ex-femme ce week-end. Oui, effectivement. Ouais. Oui, c'était sa semaine. D'accord, c'est bien ce que je me disais. Parce que alors, voilà. Tous les lundis, on organise un quoi de neuf en classe, hein. Alors, bon, ben voilà, les élèves apportent un objet qu'ils veulent faire découvrir aux autres. Ah, c'est très bien, ça. C'est super, ça se passe très, très bien. Et alors, eh ben, oui. Mathilde, aujourd'hui, elle a apporté ça. Vous en pensez quoi? Ce que j'en pense... J'en pense que c'est génial. Que c'est génial? Bah oui, ça veut dire que mon ex-femme s'ennuie déjà au lit avec son nouvel amant. Et ça, c'est génial. Parce que ça veut dire qu'elle va peut-être revenir à la maison. Ce soir, j'emmène les enfants au resto. On va faire la fête. Merci, madame Pitou. Mathilde. Oh, Mathilde. Ah, madame Desmoulins. Merci d'être venue. Dites, vous êtes sûre qu'il va bien, votre fils? Antoine? Oui. Oui, quoi? Dans sa tête. Il traverse une mauvaise phase, non? Non. Enfin, je sais pas, ça vous ennuierait pas d'être plus clair, parce que là, je comprends pas très bien. En sport, en tout cas, moi, je le trouve bizarre. Il fait des trucs qui lui ressemblent pas. Normalement, il est hyper sage, mais là, bah, il fait le con, quoi. Antoine, ouais. Mais il fait le con comment? Il fait quoi? Il part en courant quand je lui demande de participer, ou bien alors après, il m'appelle monsieur, monsieur, en plein milieu d'un exercice, alors que je leur ai dit, on ne parle pas pendant un exercice. Ah bah non. Ou alors, il fait l'andouille au fond. Mais au fond de quoi? De la piscine, parce qu'on a commencé un nouveau cycle de natation il y a 3 semaines. Ils sont très contents, ils adorent l'eau. Monsieur Fernandez, Antoine, c'est pas nager, vous voyez? Oh merde. Vous allez où là? Je vais le chercher! Ne pas entendre un bruit, on commence dans 2 minutes, d'accord? Bon, laissons, on se dépêche, les sujets sont sur la table. Non mais sérieusement, monsieur, ce contrôle, je vais jamais y arriver. Ah oui, je sais, oui. Si je dis que les Allemands, c'est des méchants. J'aurais une bonne note. Les ennemis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, c'était nos ennemis. Les ennemis, c'est ceux qui tuent des gens. Et ceux qui tuent des gens, c'est les méchants. Voilà, voilà, si tu veux, oui. Sauf que moi, j'y suis allée en Allemagne, et ils sont pas méchants. Ah, t'es allée en Allemagne, toi? Ouais, je crois, on avait vu le jeu où ils piquent des vaches noires, là. Des taureaux. Tu as vu une corrida, tu étais en Espagne et tu as vu des Espagnols. D'accord, c'est cela que j'ai vu. Donc si je dis ça, j'aurai une bonne note. Si tu dis quoi? Bah, les Allemands, c'est des Espagnols, et si c'est pas des Espagnols, c'est des méchants. Ok, on va faire du coloriage plutôt. Gis, tu sais ce que c'est ça? Non. Le plus beau cadeau qu'un parent d'élève puisse t'offrir. Le silence? Non. 2 invitations pour France-Brésil. France-Brésil, le petit Weber. Son père travaille à la fédération de foot. Ça fait 3 ans que je le bichonne, ça paye enfin. France-Brésil, France-France-Brésil, France-Brésil, France-France-Brésil. Il y a un petit mot. Oh, c'est gentil.
cher monsieur Fernandez, je n'ai eu que deux invitations pour France-Brésil. Vous comprendrez aisément que mon fils étant déjà très fort en sport, je préfère plutôt les offrir à son très difficile professeur de mathématiques. C'est n'importe quoi, ça! Absolument. S'il croit que je me laisse corrompre si facilement, impossible. Intervalle, Adrigis. T'es un grand malade! Peut-être, mais incorruptible. Il est en train de bouffer France-Brésil! On veut. Dimanche, je l'ai amené déjeuner au Grand Relais. Ensuite, on allait. Dimanche, je l'ai amené faire un petit tour. Dimanche, je l'ai amené déjeuner au Grand Relais. Ensuite, on allait faire un petit tour. Non, mais elle avait laissé sa boîte ouverte. Laura, elle vous adore. Ah si, si, elle me dit toujours, Madame Pitou, elle sait tout, tout, tout. En n'exagérant rien. Ah, c'est formidable d'avoir une maîtresse comme ça, aussi impliquée, intéressante, passionnante même. Je fais de mon mieux, enfin à mon niveau. Hein, avec... Non, puis c'est vrai que c'est formidable d'avoir un interlocuteur en dehors de la famille, je trouve. Hein. Ah oui, parce qu'alors Laura, elle se pose beaucoup de questions, beaucoup. Là, c'est... Ah oui, beaucoup. Laura, viens voir. Viens poser tes questions à la maîtresse, vas-y, n'aie pas peur. Où on va quand on est mort? Et l'autre, tu sais, l'autre... Ah oui, ça veut dire quoi faire l'amour? Bon, eh bien je vous laisse, hein. Alors? Bah, Vidal, qu'est-ce que vous faites ici? Il est 19h, vous devriez être chez vous. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas moi, madame, je vous jure que c'est pas moi. Bien sûr, bien sûr. Alors, puisque vous appréciez les heures supplémentaires, je vous colle samedi, 2h, avec comme punition la remise en état de cette porte. Donnez-moi ça, confisqué. Non, mais regardez-moi ce travail, hein. Ça, c'est un pronom, hein. C'est la contraction de cela. Et pu, c'est le verbe puer du premier groupe avec un E. Oh, mais c'est pas possible, ça. Alors, c'est dit. Voilà, compliqué. Et pu, P-U-E. C'est un verbe du premier groupe, enfin, quand même. Ah. Régis, c'est pas moi, alors là c'est... Ah, bon, tu me déçois beaucoup, Anne-Marie. Vraiment beaucoup. Non, Régis, je te jure que c'est pas moi. Régis, c'est un malentendu, parlons-en, Régis. J'avais envie de reprendre tranquillement une vie sentimentale, mais je ne tombe que sur des... Des quoi? Bah, des filles qui veulent tout de suite vous ramener chez elles, enfin, vous voyez. Mais enfin, chez elles, dans leur pieu, quoi. Oui. J'ai besoin de parler avant de... Enfin, je suis pas une machine, mais à chaque fois, c'est pareil. Mais attendez, à chaque fois, mais vous les sortez d'où, ces filles, là? Bah, c'est un site de rencontre avec profil psychologique sur lequel je me suis inscrit qui les sélectionne. Ah ouais? Et ça marche pas, ils m'envoient à chaque fois des Sharon Stone de supermarché, alors que moi, je suis plutôt du genre épicerie fine, enfin, vous voyez. Ouais. Dites, vous pouvez pas me noter le nom du site, hein? Parce que moi, je suis plutôt hard discount. Hein, j'aime bien me balader dans les rayons, faire mes courses rapidos. Vous voyez? Hein? Je suis très content de Maxime, vous savez. Il a fait des progrès incroyables en orthographe, en grammaire. Vraiment? Absolument. Il ne doit pas se décourager. Continue à bien étudier. Pourtant, j'ai noté une petite baisse, hein, dans sa moyenne. Mais les notes n'ont aucune importance. Il a fait 2-3 étourderies, mais on s'en moque. L'essentiel, c'est qu'il commence à prendre plaisir à lire, hein. Il a beaucoup progressé d'une façon incroyable. Mmh. En gros, vous êtes contente de lui? En gros, et en détail aussi. Votre fils est un véritable modèle d'apprentissage. Et si je peux me permettre, il est aussi un petit peu ma fierté d'enseignante. Bien! Alors, pourquoi vous lui avez mis que 12 à sa dernière rédaction? Non, je peux pas faire ça. Si je me fais choper, je suis viré du collège, c'est sûr. Arrête de stresser, Paul. J'ai pas révisé mes maths, donc on n'a pas le choix. Tu prends le chewing-gum et tu le mets dans la serrure. Et n'oublie pas que si tu réussis, je te donne mon numéro. Je vais voir si y a le prof. Il y a Jafar qui arrive, t'as réussi? Ouais. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez révisé, le contrôle est très difficile. Alors, tu me donnes ton numéro? Mais j'ai mis le chewing-gum pourtant!
Monsieur Fernandez, je peux vous demander quelque chose? Oui. Alors voilà, comment dire, enfin, j'ai la quarantaine passée et je trouve que ça se voit un petit peu physiquement, voilà. Ah, vous voudriez une petite séance de coaching personnalisée? Oh non, coaching peut-être pas, non, je pensais plutôt à 2-3 exercices, plutôt simples que je... Monsieur Mariani, le sport c'est pas 2-3 exercices faits par-ci par-là, comme ça, pour se donner bonne conscience. Plus qu'une discipline, c'est un état d'esprit qui demande rigueur, constance, motivation. Ah bon, et vous verriez du coup quoi comme programme de coaching? Je vais vous dire ça tout de suite. Ah super. Levez les bras. Oui. Oh là là. Ah oui. Oh la vache. À moi, à ce point-là, abdominaux inexistants, trapèze atrophié, biceps plat, fessiers flasques, cuisses molles, mais y a rien qui tient, quoi. Oh, ça suffit, là, ça va. Ah bah non, parce que aussi les pecs qui tombent. Non, stop le coaching, là, stop le coaching. On a pas commencé encore. Ah bah justement, hein, je viens vous voir pour retrouver un petit coup de jeune, et là, et en même pas une minute, j'ai l'impression d'avoir 90 ans. Ah ouais, ça va, mais elle est complètement merdique, votre méthode de coaching. Oui, je suis désolé. Comme son fils, il a pas le mental. C'est abominable. Alors, il y a peut-être une solution. C'est qui ça? Madame Truche. Ah ouais. J'espère qu'elle a rendu copie blanche. Alors qu'elle a pas rendu. Nadine, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis fatiguée. Et mon petit qui fait passer nuit, je suis à bout. Oh, je sais ce que c'est. Moi aussi, je suis passée par là. J'en ai qu'une, hein. Elle est grande maintenant, mais... Je peux faire quelque chose pour t'aider? Vu que t'as l'air d'avoir survécu, je veux bien que tu me remontes le moral, quoi. Ah, c'est sûr que c'est pas évident, les enfants en bas âge. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais c'est temporaire, hein? En grandissant, vers 3-4 ans, la communication sera plus facile. Bon, c'est vrai que c'est aussi un âge où ton enfant testera ton autorité, tes limites en permanence, ce qui est épuisant aussi. Hein. Mais c'est pas la pire période. Le pire, c'est l'adolescence. La peur au ventre lors de ses premières sorties avec ses amis sans ses parents. Les dangers de la drogue, l'alcool, maladie, accident, agression, mauvaise fréquentation. Excuse-moi, mais toi qui enseignes le français aux collégiens depuis des années... Oui. C'est quoi le mot que tu comprends pas dans l'expression « remonter le moral » Hein? C'est pas compliqué, quoi. Bon, il faut que votre mouvement parte d'abord du torse. Torse, épaule, coude, poignet. Voilà, comme ça. C'est un enchaînement qui doit être fluide. Hein? T'as compris, Delphine? Ouais, je crois. Voilà, comme ça. Waouh, monsieur, comment vous lancez super loin. Ouais, c'est que de la technique, hein. Et encore, je vais pas forcer. Bon, alors je vous ai dit, le boomerang vient de... D'Autriche. Voilà, c'est ça, d'Australie. Et sa particularité, c'est... C'est qu'on n'a pas besoin d'aller le chercher. Voilà, et pourquoi on n'a pas besoin d'aller le chercher? Parce que si on demande gentiment aux garçons, les garçons, ils iront le chercher pour nous. Aïe! Salut, vieux. Salut. Attends, deux secondes, là, je suis en train de jouer en réseau. Faut pas que je me fasse sucer le sang par les vampires. Super. Bah attends, viens, connecte-toi à la partie. Ça va être un peu tendu, là. Et merde. Oh, attends, fais voir. Et tu peux appeler avec ça, ou il te sert juste à boiter quand tu le mets dans ta poche? Bon, vas-y, c'est bon, ça va. Eh, tu sais quoi? T'as qu'à dire à ton père que tu t'es fait racketter ton téléphone. Comme ça, ni vu ni connu, il t'achète le tout dernier smartphone dernière génération. Pas con. Hey. Allô, papa? Ouais, je t'appelle parce qu'on vient de me racketter mon téléphone. Bah ouais, ça craint. Bah, est-ce que du coup, avec tes points, tu pourrais me prendre le dernier Nova Smart 3? Allô? Allô? Oh. Vous savez que ce matin, au collège, ils ont trouvé de la... Bonjour, maman. Ah, bonjour, mon cœur, ça va? Ils ont trouvé de la... la DROGUE. Oh, c'est pas possible. Maman? Attends, chérie. Mais du C-A-N-A-B-I-S? Oui, enfin... C-A-2-N-A-B-I-S, mais oui. Ah bon, vous êtes sûr? Oui, oui. J'aurais mis qu'un N, moi. Bon, enfin, de toute façon, c'était de la M-A-R-I-R-U. Ah oui, non, alors là, je suis sûre de moi. Non, c'est de la M-A-R-I-J-U-A-N. Maman. Attends, chérie, s'il te plaît, vous êtes sûre? Ah oui, parce qu'en fait, ça vient de l'espagnol. Maman. Ah, oui, chérie. Quand vous aurez fini de parler de la C-A-M-E, est-ce que je pourrais avoir mon G-O-U, accent circonflexe, T-E-R, s'il te plaît? Oui, ma chérie, tiens.
Merci. Salut Régis, bon week-end. Excellent, Lorraine, excellent. J'ai travaillé mes dons de médium. De médium, toi? Je lis dans les pensées, tu le savais pas? Tiens, par exemple, là, je te regarde et je sens que tu as un nouveau petit ami. Oh bah c'est easy comme truc. Je suis de super bonne humeur, donc forcément... Son prénom commence par un R. Right, comment tu sais, Rémi? Tu l'as vu samedi. Vous avez passé une soirée torride chez lui. Tu as quitté son domicile vers minuit. Ah, mais attends, c'est crazy, comment tu fais? En rentrant, tu lui as envoyé un SMS... dans la rue ou en taxi, un endroit sombre en tout cas. Mais carrément, c'était un taxi. Et c'est comme ça qu'au lieu d'envoyer ton SMS à Rémi, tu l'as envoyé à Régis. Ah non, ah non, ça c'est pas possible, je connais aucun Régis à part... Pour répondre à ta question, non, je n'ai pas retrouvé ta culotte sous le canapé. Monsieur Glébarek? Oui. Je sais que vous suivez le programme d'histoire, hein, mais est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de le rendre un peu plus léger? Comment ça, plus léger? Vous voulez que je raccourcisse mes cours? Non, je parlais du contenu. Parce que certaines petites brutes jouent pendant la récréation à reproduire sur mon fils ce que vous leur apprenez en cours. Oui, bah je vais pas leur raconter que notre passé, c'est le pays des petits lapins roses. Vous êtes sûr que votre fils n'est pas un petit peu trop sensible? Non, écoutez, par exemple, il y a 15 jours, vous leur avez parlé de Jeanne d'Arc. Oui, bah difficile de passer cette fin sous silence. Oui, eh bien, le lendemain, Benjamin Vidal a essayé de foutre le feu à Paul. C'est vrai? La semaine d'après, on a fait le christianisme. Oui, je sais, oui, le christianisme. Oui, parlons-en du christianisme. Théo Mariani a fabriqué une croix dans les vestiaires pour, je le cite, « clouer ce Judas de Paul Ricaudeau ». Mais effectivement, ils reproduisent tout ce que je leur apprends en classe. Mais c'est bien ce que je vous dis. Alors, vous allez faire quoi? Ah bah rien, c'est la première fois que ça intéresse à mes cours. Ah, demain, on va faire la Révolution française. Les fourches, ouf, la guillotine, ouf, oh, les têtes qui roulent. Merci, ils vont aimer ça, ils vont aimer ça. Le sang qui coule. Ça va leur plaire, monsieur Ricolo. Je suis sûre que votre maman sera d'accord avec moi sur ce point. Non, vous ne pouvez pas me demander ça. Ces vacances. Oh là là, m'en parlez pas, j'ai jamais autant mangé que ces 10 derniers jours. Sans compter les apéros qui n'en finissent plus. J'espère que ça se voit pas trop. Oh bah après un petit mois de régime là, vous retrouverez votre ligne. Bah vous savez parler aux femmes vous. Bah attendez, c'est quand même pas de ma faute si vous avez pris 3 kilos pendant les vacances. Non, 1 kilo et demi. Et c'est pas du tout le genre de chose que dirait un gentleman. Ah ouais? Et il dirait quoi votre gentleman? Bonjour tout le monde. Ah bonjour. Bonjour. Monsieur Vidal? Madame Bresson, vous êtes resplendissante hein. Ça vous va incroyablement bien. Oh mais non, c'est juste un petit manteau de rien du tout. Non, non, je parlais de la grossesse. Vous nous aviez caché ça. On dirait que j'ai gaffé là. Vous savez qui est le père? Ah non, non, non. Un gentleman ne dit pas ce genre de choses. Ah oui, non. La classe. Bah, qu'est-ce qui va pas, Delphine? Un chagrin d'amour? Ils sont tous nuls au bahut, de toute façon. C'est tous des bébés, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils comprennent rien. Ah, que veux-tu? Ils vont grandir. Mais moi, j'en ai marre de sortir avec des gamins. J'aimerais rencontrer des hommes, des vrais, qui ont vécu des super trucs, qui connaissent les filles. Alors pour ça, il va falloir que t'attendes un peu, parce qu'à votre âge, c'est... Ouais, je sais. C'est pour ça que je vais sortir qu'avec des adultes. Eh, on se calme. Je comprends que tes copains t'agacent, mais tu peux pas faire ça. Bah, si je peux. Même s'il est vachement vieux, je m'en fous. Non mais Delphine, tu dérailles. Si un homme vachement vieux vient te draguer, ça s'appelle un gros pervers. C'est toujours mieux que sortir avec ses gamins. Puis il me paiera le ciné, des glaces, il me ramènera en voiture dès qu'il aura le permis. Ôte-moi d'un doute, vachement vieux, c'est quel âge pour toi? Bah, je sais pas, 17 ans. Ouais. On ne chahute pas, les enfants. Oh, monsieur Mariani, bonjour, vous êtes déjà là.
Pourquoi déjà? C'est l'heure, non? C'est... Oui, oui, bien sûr, absolument, mais vous m'avez dit que vous risquiez d'être un petit peu en retard à cause d'une de vos patientes qui devait accoucher cet après-midi. Vous avez peur que ce soit un peu long? Je lui ai fait une césarienne. Hein. Je sors de salle d'opération à l'instant. Tout s'est parfaitement bien passé, Madame Pitou. Mais tant mieux. J'espère que la maman va bien. Enfin, elle doit être très fatiguée. Un accouchement, c'est toujours fatigant. Hein. Ah oui, ça va surtout des jumeaux. Des jumeaux? Oui, vous m'avez dit ce matin, l'intervention risque de prendre du temps car ma patiente attend des jumeaux. Ah, excusez-moi Madame Pitou, je vais, hein, je vais appeler là parce que... Oui, c'est le docteur Mariani. Dites-moi, la patiente que je viens d'opérer là, eh ben, il faudrait me la ramener d'urgence au bloc. Voilà Catherine, je voudrais vérifier un truc, voilà. Je reviens Madame Pitou. Hein. Ah, Sylvain, je suis vieille et moche aussi. Oh, mais t'es en super forme, toi. C'est tes élèves qui te dépriment comme ça? Non, non, c'est mon mari. Il me regarde plus, on sort plus, on fait plus rien de drôle ensemble. Je suis vieille, je suis moche, et je sers à rien. Ah là 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 là, ça va pas, mais alors ça va pas du tout. Tu vois, y a pas que toi qui déprime. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'assistant du prof d'espagnol, là. Déjà, à chaque fois qu'il me croise dans les couloirs, c'est toujours « Tu es superbe, tu es belle, tu es jolie ». Là, ce soir, il m'a invité à dîner dans un super resto. Le problème, c'est que je devais déjà sortir ce soir avec mon voisin, c'est l'avocat. Bref, je sais pas quoi faire, moi. Alors, à votre avis, je fais quoi? Je sais pas, tu fermes ta gueule. Exercice numéro 2. Réponse de Monsieur Mariani, 679 litres. Réponse de Mademoiselle Bresson... 679 litres. Oh, mais c'est moi qui ai copié, monsieur Jaffar. Ouais, exercice numéro 3. Réponse de monsieur Mariani, X est égal à 1,4568. Réponse de mademoiselle Bresson, X est égal à 1,4568. Vous êtes ensemble, tous les deux? Mais ça va pas, non? Ouais, et puis d'abord, ça vous regarde pas, hein. C'est perso, hein. C'est vrai, ça ne me regarde pas. Mais j'ai toujours eu de l'indulgence pour les jeunes amoureux. Mais il est ouf ou quoi, lui? Bon, alors voilà. Soit vous êtes ensemble... Et je suis indulgent, donc je divise la note par deux. Soit vous n'êtes pas un couple, donc vous n'avez aucune excuse, et donc je vous mets zéro à tous les deux. Bah ouais, 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 on est ensemble. Ouais. Si. Lola, vous croyez où, là? Zéro? Mais vous avez dit que vous diviserez la note par deux? Vous aviez zéro, et zéro divisé par deux, ça fait toujours zéro. Allez, dégagez, Mariani. Je prends sa copie aussi, vu qu'on est ensemble. Truffaine, je mets un peu juste. Bah, l'ensemble est pas si mal par rapport au niveau moyen, mais on part de tellement bas. Hein. Très très bas. Ouais. Mais on sent qu'elle se donne du mal. Je mets quoi, 12? 12,5. Et en commentaire, des progrès, ne pas relâcher ses efforts. Alors, des moulins. Non mais alors là, c'est du gâchis. Là. Ah, depuis le début de l'année, c'est la dégringolade. Je mets 8. Et c'est généreux. En chute libre, doit absolument faire ses preuves au troisième trimestre. Mais je rêve. Vous êtes encore en train de noter les parents d'élèves? Ah non, que les femmes. Vous êtes pathétique. Pathétique et pervers. Elle aussi, elle a pris du cul, non? Je mets quoi, 4? 2. Et commentaire? Doit arrêter la crème anglaise. Ah, c'est bien. Alors, Bresson. Ah, pas mal, hein? On croit que ça pendouille, mais c'est ferme. Alors, à suivre. Chez Monsieur Fernandez, il a voulu qu'on fasse l'activité box. Quoi? Mais il était dispensé d'activité. Mais il était dispensé d'activité. Oh, mais tombez, celle-là, elle était parfaite. Bonjour Marina. Bonjour Valérie. C'est le goûter de Charlotte? Oui, voilà, je prépare tout à la maison. Pas vous? C'est-à-dire que moi le soir c'est un petit peu la panique, vu que j'arrive directement du bureau. Ah oui, oui, bah ça c'est sûr qu'élever des enfants en travaillant et sans avoir un minimum d'organisation, bah c'est... Enfin bon, on voit ce que ça donne, quoi. Et oh, ça veut dire quoi, ça? Bah ça veut dire que là, vous allez aller lui acheter un pain au chocolat bien gras, hein. Et comme vous culpabilisez de votre manque évident de disponibilité maternelle, et ben au passage, vous lui achetez un petit bonbon. Déséquilibre alimentaire, contre-indication dentaire, et sans parler du fait de céder à un désir immédiat. Non, 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 en termes d'éducation, ça, Valérie, c'est une catastrophe. Ah bon? Et vous vivez ça comment? Ange. Ah, mon ange. Tiens. Encore ton goûter tout pourri. Bonjour maman. Bonjour mon trésor. On va à la boulangerie? Oui.
En fait, je le vis hyper bien. Connasse. Tu le vois le goûter tout pourri, et ben tu le bouffes jusqu'à la dernière miette. Insolente. Je leur annonce à tous qu'on va en voyage scolaire en Angleterre, ok? Let's go to London. Et ben ils me regardent avec leur tête de veau, on a l'impression qu'ils ont rien à faire de rien, quoi. Bah c'est normal, c'est des ados. Mais non, justement, l'adolescence c'est le bouillonnement, quoi. C'est la passion, c'est the fire. Non mais tu rêves complètement, toi. Je vais te montrer. Mariani, viens ici deux secondes, viens. Tu observes bien son visage, hein? L'incrédulité. Mariani, t'as tellement déchiré à ta dernière interro, j'ai envoyé ta copie à l'inspecteur d'académie, tu sautes une classe. Ah ouais? Cool. La tristesse. Mariani, j'ai une mauvaise nouvelle, tes parents divorcent. Mais c'est moi qui épouse ta mère, maintenant tu vas m'appeler beau-papa. Ah ouais? Cool. La joie. Mariani, à partir de la semaine prochaine, je suis muté, c'est Beyoncé qui va me remplacer. Ah ouais? Cool. Voilà. Bon, bah tu peux partir maintenant. Ah ouais? Cool. Et en plus, lui, je l'aime bien, parce qu'au moins on peut discuter un peu, mais il y en a, ils sont beaucoup plus retors. La petite Bresson, c'est un concept, hein. Excusez-moi, vous souhaitiez me voir, mademoiselle Jolie? Tout à fait. Oui, c'est au sujet de Théo. Bon, il est un petit peu patraque en ce moment, hein, un manque de vitamine D, sans doute. Je ne crois pas que son état soit dû à une carence en quoi que ce soit. Ah? Moi, je dirais plutôt un excès. Alors là, ça m'étonnerait parce que je ne gave jamais de médicaments. Je ne crois pas à ça depuis longtemps. Hein. Plantes aromatiques, homéopathie, médecine douce. Mmh. Voilà ma sainte trinité. Si vous le dites. Mmh. Sauf que Théo est tellement shooté à la tisane qu'il passe ses journées dans mon infirmerie à dormir. À la tisane? Enfin, quelle tisane? Celle qui sirote toute la journée dans son thermos. Ah non, c'est pas du tout de la tisane, ça. Non, ah. Ça se... sont mes herbes thérapeutiques. Voilà, ça... Vos herbes quoi? Thérapeutiques, voilà, mmh. pour m'apaiser. Monsieur Mariani, si vous voulez vous soigner au Cerveau des Provence, c'est votre choix. Mais il va falloir apprendre à mieux planquer votre cannabis. Bon, là, voilà. Au revoir. Oh, Madame Desmoulins. Madame Pitou. Merci beaucoup de nous avoir apporté un lapin de l'animalerie. Les enfants ont adoré. Ah, bah ça me fait plaisir, ça. Je ne les ai pas entendus de la matinée, hein. Ils avaient chacun apporté leur petite carotte, mais c'était tellement mignon. Ah, mais attendez, il n'a pas trop mangé quand même, j'espère. Ah non, non, vous inquiétez pas. Hein. Bon, ils se sont un petit peu chamaillés pour savoir comment ils allaient l'appeler. Ah. Donc j'ai décidé qu'on vote. Voilà, hein. Et c'est Pimpin qui a eu la palme. Bah écoutez, pourquoi pas. Pimpin. Alors voilà, il y a juste un petit problème. C'est que autant ce matin, ça s'est bien passé, oui. Autant cet après-midi... Ils ont un petit peu chahuté la bête. Ils commencent à chahuter. Bonjour maman, t'as une patte de lapin? Ça porte bonheur. Tu écris quoi? Hein? Écrire. Disons que je laisse mon imaginaire gambader au gré de mon imaginaire. Et c'est quoi, de la poésie? Ah non, rien de tout ça. Non, moi je suis plutôt branché chanson. Ah, pour écrire des chansons, faut maîtriser les rimes. Ah oui, d'accord. Parce que je suis prof de sport, je peux pas avoir de sensibilité artistique, c'est ça? Ah bah bonjour le cliché. Mais en tant que prof de français, tu permettras que ça puisse m'intriguer, hein? Tu me ferais lire? Non, c'est perso, puis tant que c'est pas terminé, je montrerai pas. Allez, fais pas la foi, je suis sûr que c'est percutant, allez. Ah oui, c'est percutant, ça, oui. Mais c'est bien, c'est pas... Oui, bon, bah ça va, c'est une chanson, ça se chante, hein? Faisais-moi plaisir, marquez plein de buts, toi, mon équipe de foot, qui a beaucoup couru... Couru, ça s'accorde à la fin, couru. Oui, monsieur. Oui. Qui a beaucoup couru, tu vois, ça pète. Puis alors, je peux te dire qu'au stade, hein, quand on est tous là, à chanter tous ensemble, là, les gradins, vois, là, ça fait dresser les poils au garde à vous. Ok, d'accord. Direct. Ni même que je l'aide à trouver quoi que ce soit, hein. Que j'aimais bien sa veste en jean. Oui. On y retourne? Oui, bien sûr. Enfin non. Vous poussez un peu de la fête, non? Pardon. Allez-y.
Alors, ça a marché? T'as réveillé la flamme de ton mari? Ben, avant son retour, j'avais mis de l'encens dans toute la maison. Et puis, j'avais mis la petite nuisette, comme tu m'avais dit. La rouge avec les froufrous. C'est sexy. Ah, j'ai bien vu, hein, une étincelle dans son regard. Je lui servais le dîner. Oh, so romantic. T'as bien mis du gingembre dans ton plat, hein? Ah oui, partout, plein, hein, comme tu m'avais dit. Et alors, attends, me dis rien. Il en pouvait plus et il a grimpé au rideau direct. Non, il a grimpé direct aux toilettes. Il y est resté toute la nuit. Oui, il est allergique au gingembre et ça, je ne savais pas. Oh merde! Comme tu dis. Ah, mais quel petit con! Il veut plus partir au ski sous prétexte que 22% des skieurs se pètent un genou sur les pistes. Mais figurez-vous que Charlotte ne veut plus partir à Saint-Barth parce que les cancers de la peau ont doublé en 2 ans. Mais je sais pas qui a pu leur mettre des conneries pareilles en tête. Une personne très jalouse de la réussite des autres. Ouais, fort en statistiques puisque c'est son métier. Vous savez qu'un prof de maths au collège a 90% de chances de retrouver sa bagnole, les pneus crevés, la veille des vacances. Ah non, vous vous trompez. C'est 100% de chance. Super programme. Vidal, c'est quoi ça? Bah, 20 sur 20. Oui, et tu veux que je te croie? Tu penses que je suis assez naïf pour imaginer que tu t'es mis au boulot comme ça du jour au lendemain? Bien sûr que non, monsieur Glevarek. Bon, bah alors dis-moi comment t'as réussi à tricher cette fois? Bah, en fait, en ce moment, il se passe quelque chose de super bizarre. Ça fait quelques jours là, je vois les choses avant qu'elles arrivent. La dernière fois, j'étais au kebab, j'étais en train de manger tranquille, et d'un coup, flash. J'ai vu votre contrôle avec toutes les réponses. Oui, bien sûr, oui. Non mais je vous jure que c'est vrai, monsieur. Bon, c'est flippant, mais ça marche, alors... Oula. Je vois un élève, les cheveux bouclés, qui arrive dans le couloir et qui dit... Eh Ben, t'es en retard à la cantine. Eh Ben, t'es en retard à la cantine, là. Ah. Oh là, je vois deux élèves. Vidal et Mariani, ils insultent l'intelligence de leur prof et ils seront collés samedi. Ah mais t'as raison, ça marche. Vos carnets. Allez. Mais ça serait trop pas, monsieur. Oui, oui. Ah, ma première élève. Bah ils sont où les autres? J'avais 8 inscrits. Eh, on aurait dû commencer il y a 5 minutes, hein. Ouais, bah tu sais, ton idée de faire des ateliers entre les profs et pour les profs a fait des émules, hein. Du coup, l'atelier choucroute et bière de Glevarek a eu beaucoup de succès hier, hein? Ah ouais, j'ai vu passer ça, la soirée choucroute. Pour tout dire, j'ai trouvé ça con, et du coup, j'y suis pas allé. T'y es pas allé non plus? Ah si, c'est très bien d'ailleurs, hein? Oh, on a bien mangé, on a bien bu, on s'est bien amusé, mais... Pff, en revanche, c'est vrai que ça s'est un petit peu éternisé. Ouais, mais t'es quand même venu. Ah, ça, c'est franchement très gentil. Moi, je suis inscrite, je viens. C'est pas de la gentillesse, c'est une question de respect. Bon, on va y aller, hein? On va commencer par un petit jogging. Tranquille, là, piano, piano, voilà. Anne-Marie? Anne-Marie! Oh! Qu'est-ce que c'est? Je peux rien faire avec ça, là. J'avais dit, la soirée choucroute, c'est con, quoi. Bonjour, madame Pitou. Ah, vous vouliez me voir? Oui, j'ai quelque chose à vous donner. La cigogne apporte les bébés. Dis donc, ça doit être un sacré boulot d'expliquer tout ça aux enfants. Mais je vous le fais pas dire, madame Desmoulins. Je vous le fais pas dire. Ah oui, je vois que certains enfants ont choisi l'option chou et rose. Voilà, qu'est-ce que c'est mignon. Ah oui, c'est mignon tout plein. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, dis donc, je peux vous aider? Non, ça va, mais... Ah! Tenez. Un cadenas? Oui. C'est très gentil, mais c'est pour faire quoi? C'est pour mettre à la porte de votre chambre, hein? Ça évitera à Laura d'espionner son papa et sa maman la nuit, hein? Non, parce que je vous cache pas que la cigogne, votre fille, elle me l'a explosée en plein vol. Mais si, les smartphones monopolisent toute notre attention. Bah attends, tu peux plus avoir une conversation avec quelqu'un sans qu'il ait trifouillé sur internet, c'est vrai. On est devenu complètement dépendant et on passe à côté de notre vraie vie. La vraie vie? Non, je crois pas, non. Ah si, je te jure, hein. Moi j'ai donné le mien à ma nièce. Mmh. Bah je peux te dire que, bon, au départ ça m'a fait bizarre, mais alors maintenant, je me sens libre. Et si tu veux, tu me confies le tien une semaine. Comme ça, toi aussi, tu peux essayer de faire un Shabbat numérique. Non, merci. Non, attends, il est tout neuf et puis c'est de la nouvelle génération, il m'a coûté une blinde en plus. T'es gentil. Le vrai problème des smartphones, Olivier, ce sont les ondes radioélectriques. Elles pénètrent dans tes cellules à la manière de petits morpions voraces et attaquent tes organes un à un. Chaque SMS envoyé, c'est une radiation.
Et chaque radiation, c'est un choc pour ton cerveau, ton cœur et bien sûr tes couilles. Porte quoi? Tu remets en cause la parole d'un prof de physique? Le portable outdose, c'est la garantie d'avoir une jambe plus longue que l'autre, un troisième téton, un deuxième nombril et zéro testicule. Allez, avant qu'il ne soit trop tard. Bon bah, moi la vraie vie, hein. Salaud, j'y étais presque. La peur, Lorraine. La peur. Y'a que ça qui marche. Oh, il a plein de jeux. Madame Truche? Madame Truche? La mouchoir? Mais non, mais non, mais non! Mais non, mais non! Allez, c'est coupé, merci! Bonsoir, ma chérie. Bah, y a un problème, Madame Truche? Oh, du tout, Madame Bresson. Voilà, vous savez que ce week-end, nous avons une sortie culturelle avec la classe. Oui, tout à fait. Vous partez samedi matin et vous rentrez dimanche soir. Sauf qu'un parent accompagnant m'a fait faux bond ce matin et qu'il me fallait le nom d'un remplaçant en toute urgence. Mmh. Delphine m'a dit... J'ai dit que tu pouvais. Allez, s'il te plaît, maman, on sera toutes les deux comme ça, c'est cool. T'as jamais fait de sortie scolaire, même quand j'étais petite. Allez, s'il te plaît, maman. Oh, bon, allez, ok, va pour la sortie. Ah, super. Bon, vous venez avec moi 2 minutes, je vous donne les papiers nécessaires. Hein? Je t'adore. Non, t'es une coquine, toi. Alors? Alors, samedi matin, j'ai super mal au ventre. Samedi midi, ma mère se barre toute seule. Et samedi soir, on fait une putain de soirée à la maison. Allez, kebab. Bonjour tout le monde, ouvrez vos livres, page 32. On sort une copie et on écrit l'enfance d'un roi. Louis Dieudonné de Bourbon, Louis XIII, Anne d'Autriche, à avoir un enfant. Vidal, allez vous rasseoir. C'est à 37 ans qu'Anne d'Autriche... Mariani, vous êtes encore à la bourre. Ah ben, Sylvain, t'as oublié toi aussi? Hein? On a changé d'heure ce week-end. Allez, viens, je te paye un café. Régis, toi qui es divorcé, t'as eu des doutes avant avec ta femme? Avant quoi? Bah avant de découvrir qu'il y avait quelqu'un d'autre. Oui, il y a eu des signes, pourquoi? Non, parce que ma femme m'a fait des trucs bizarres depuis quelques temps. De quel genre? Bah déjà, elle regarde plus les matchs avec moi. Elle passe tout son temps sur son ordinateur. Aïe. Elle a refusé de venir avec moi au restaurant vendredi soir. T'as voulu l'emmener où? Bah au restaurant chinois, comme tous les vendredis. Aïe. Et dimanche, tu lui as proposé ta randonnée habituelle autour du lac? Ouais. Mais elle a refusé aussi. Ouais. Tu crois que ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? Non. C'est juste qu'elle doit s'emmerder à mourir avec toi. On la comprend. Ah bah je préfère. Si c'est que ça. Bonjour Valérie. Alors, il se passe quoi dans le monde? Ah bah alors, j'en sais rien parce que j'étais sur l'horoscope du jour. Ah, 18h, c'est pas un peu tard pour lire l'horoscope du jour? Non, mais en fait, moi, ça m'amuse de le regarder en fin de journée. Comme ça, je vois si l'astrologue s'est planté ou ah pas. Ah, c'est marrant, ça. Mais moi, je suis Verseau, alors qu'est-ce qu'il avait prévu pour moi? Alors, Verseau, travail. Travail, santé, on s'en fout, ça. Non, vie privée, parce que ce soir, j'ai un rendez-vous galant. D'accord. Alors, vie privée, Vénus sera en peine aujourd'hui et vous pourriez subir de grosses désillusions. Oh. Oui, non mais c'est n'importe quoi. Parce que regardez, moi aujourd'hui, il m'avait dit que j'allais manquer un rendez-vous hyper important par étourderie. Et alors, vous avez rien raté du tout, hein? Mais non. Alors... Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là, Madame Desmoulins? Mais comment ça, qu'est-ce que je fais là? Ben, on est jeudi, c'est à la piscine qu'il faut aller chercher votre fille, c'est pas ici. Oh la merde. Ok. Allô? Damien? Oui. Dis-moi, j'ai un petit imprévu pour ce soir. Est-ce que ça te dérangerait pas qu'on reporte le dîner à demain soir? Non, pardon. Samedi soir, plutôt. Oui, samedi. D'accord? Merci. Monsieur Jaffar? J'ai une proposition à vous faire. Je
vous écoute. En fait, avec mon père, on a mis au point un nouveau système d'argent de poche indexé sur mes notes. 10 euros par point au-dessus de 14. Donc on dit qu'au prochain contrôle de maths, vous me mettez un 17. Comme ça, ça fait pas trop suspect. Et moi, je vous donne 10 euros. En pourcentage, ça fait combien? Ça fait 33%. Un tiers, franchement, c'est honnête. Je veux 60%. Quoi? Mais attendez, il me reste 12 euros. Ok. Je veux 90%. Quoi? Mais attendez, ça a plus de sens, ça fait 3 euros. Vous allez jamais accepter. Vous me faites juste réviser, là. Pour le cours particulier. Dis donc, vous en faites une tronche, Mariani. Qu'est-ce qui se passe? C'est le carnet de liaison de mon fils. Je comprends pas un mot de ce que les profs ont écrit. Je vois. Théo appréhende les cours comme une charnière interdisciplinaire en amont d'un travail d'ouverture sur le monde. Oh la vache, c'est tordu leur truc, hein. Ouais, c'est moi ou c'est incompréhensible? Non, c'est pas vous là, c'est fait exprès ça. Exprès? Enfin, dans quel but? Ah, parce qu'il y a votre fils qui est en train de se casser la figure et les profs ils ont pas envie de vous voir. Du coup, quand vous allez recevoir le bulletin, ça sera trop tard et vous pourrez pas vous plaindre. Mais pourquoi? Bah, ils vous diront, vous avez prévenu, monsieur Mariani, un truc comme ça. Mais comment vous le savez, ça, vous? Ah, bah, je sais ça, parce que je fais la même chose avec mes clients. Quand j'ai envie de gonfler la facture, je mets dessus des mots hyper techniques, comme ça personne n'ose rien dire de peur de passer pour une truffe. Vous avez compris? Ah, ouais, je viens de comprendre, là. Ouais. Tiens, d'ailleurs, à propos de facture. Oui. Hein, je vous dois les travaux que vous avez faits à mon cabinet. Oui. Extrusion à froid d'une mortaise dans la mandorle supérieure du chambranle. Je pense qu'on est d'accord. Je vous le conseille, c'est sympa. Non. Bah, vous avez déjà essayé, vous? L'été dernier, un gramme. Allez, pour toujours. Il fallait me parler d'Eugène Labiche, dramaturge, écrivain français, écrivain... Dis-moi, Lorraine, qu'est-ce que tu en penses? Le foulard, tu vois, je le mets comme ça, noué, ou alors je laisse flotter? Non, attaché, it's better. Ah, ouais, tu as raison, oui, ça, c'est plus sérieux. Rouge à lèvres ou pas? Ah, oui, rouge à lèvres, là, ça impressionne, hein. Et dis donc, t'as une nouvelle robe? Ouais. Elle est ravissante, hein. Wow. Et moi, j'ai des nouvelles chaussures. Wow. Bon, elle me fait un peu mal, enfin, tu sais comment on dit, il faut souffrir pour être belle. Et les filles, c'est la photo de classe aujourd'hui, vous avez pas oublié? Alors pourquoi? Bah, parce que vous pourriez faire un effort quand même, non? L'élégance, un peu de bon goût. Bonjour. Alors, pas encore. Ça va commencer d'une seconde à l'autre. De toute façon, faut pas se faire d'illusions. Un nouveau ministre, ça veut dire nouvelle réforme. Mais c'est fou, hein, ça, cette manie de vouloir casser systématiquement ce qui a été fait avant. En tout cas, notre position est claire, mouvement social pour protester. Et on sera avec vous. Non, parce que nous aussi, on en a marre de ces petites guéguerres politiques, là. Surtout que le ministre sortant avait un bon programme. Va falloir se battre pour garder nos acquis. Chut! Ça y est, il va parler. Qu'est-ce qu'il a dit, le ministre? Bah, rien. Il veut juste poursuivre le travail de son prédécesseur. Quoi, même pas une petite réforme pour prouver qu'il s'intéresse à nous? Mais non, mais rien, je vous dis! Mais ça va pas se passer comme ça, on va pas se laisser ignorer, non mais... Ça sent la grève. Ça sent la grève dans un avenir très proche. Ouais, j'ai cassé, ouais. Ah ouais? Au début, quand on sortait ensemble, c'était trop cool. On se prenait jamais la tête, on allait au ciné, on se baladait main dans la main, on s'embrassait. Attention, elle embrasse bien. Ah ouais? Ouais. J'avais jamais connu ça toute ma vie. Et puis au bout d'un moment, on se connaissait par cœur, on est tombé un peu dans la routine. Ça restait cool, mais après, je sais pas, elle a changé, elle est devenue jalouse. Elle voulait toujours savoir où j'étais, avec qui, elle m'envoyait des messages tout le temps, je devais lui répondre. J'ai changé de numéro, elle m'a retrouvé, j'essayais de l'esquiver dans la cour, elle me chopait à la sortie. Mais non. Putain, je me sentais prisonnier. Attends, elle me mettait la pression, je suis pas une bière. Bah ouais. Bah ouais. Et puis franchement, maintenant, tu me dis, je la vois, ça me fait plus rien. Ah ouais? Au début, c'était dur, hein. Parce que ça a été quand même les 3 plus belles heures de toute ma vie. Ah ouais? Ouais. Bonjour, Nadine. Bonjour, Audrey. Nadine, t'as une chute de tension, Nadine! Absence totale des réactions. Pupille dilatée.
Et ma tombe succutanée. Nadine ! Nadine ! Nadine ! Nadine, je viens de te réanimer. Tu dois aller à l'hôpital, c'est très grave. Et les biberons, les couches, là, la bouillie. Et toutes les nuits, enfin, je veux dormir. Enfin. Bonjour. Eh ben, t'es tout seul ? Yes, I am. Tous les autres ont la gastro. What ? Non, mais c'est quoi cette épidémie ? C'est l'apocalypse, madame. Et nous sommes les deux seuls survivants. Il n'y a plus que nous deux sur cette terre. Just the two of us. Sorry, mais je veux pas faire cours pour un seul élève. Oh. Alors disons que ce n'est pas un cours et que je ne suis pas un élève. Let's talk a little together. In English ? Spend some time. Ah. Monsieur le principal ? Eh ben non, je suis là. Mon nom sur le tableau des absences ? Écoutez, monsieur le principal, les élèves ne sont pas nombreux, mais ils sont charmants. By the way, je crois que j'ai trouvé mon nouveau comédien pour la nouvelle pièce du Club Theater in English. Non, un garçon. Vous savez, à l'époque, les rôles de femmes étaient tenus par des hommes. Ce sera parfait. En fait, c'est cool qu'on soit just the two of us. Tu vas pouvoir essayer ta robe. C'est sympa, hein, ce pot de fin d'année pour mieux se connaître. Oui, vous avez raison. Dites-moi, le trimestre de Théo s'est bien passé, non ? Très bien, très bien. Il a progressé. Ah, tant mieux. Vous êtes sûr ? Non, parce que j'aimerais bien qu'il réussisse son année. Je peux vous demander quelque chose, monsieur Mariani ? Bien sûr. Voilà, depuis quelque temps, j'ai une douleur, là. Ah, oui. C'est régulier ? Ça lance, et puis ça se calme, ouais. Et puis ça revient. Pas d'autres problèmes particuliers ? Si, ça me brûle quand je fais pipi. D'accord, d'accord, madame Truche. Bah écoutez, le mieux, c'est de passer me voir au cabinet entre 8h et midi demain, hein ? Parce que là, je peux rien faire. Alors pourquoi vous pensez qu'on est toujours disponible pour parler de vos gamins, hein ? Nous aussi, on a des horaires de boulot ! Poussez-vous ! Je vais prendre un pretzel, quand même. C'est bien aujourd'hui la sortie pédagogique de ma fille, hein ? Oui, je les emmène au musée. Pourquoi, il y a un problème ? Non, aucun, justement. Ah. Parce qu'en fait, oui. Je me suis trompée. Oui. C'est mignon, hein? Moi aussi, mon premier amour, c'était au collège. Moi aussi. Ah! Moi, il s'appelait Marc. Bon, c'était nul, hein? Il était moche, complètement immature, il savait pas embrasser. Enfin... Moi aussi, pareil. Ah. Il était moche, aucun look, mauvaise haleine, on s'ennuyait comme des rats morts. Il s'appelait comment, le tien? Pierre-Michel. Oh, Pierre-Michel! Comme ton mari! C'est drôle! Oui, oui, super drôle. Non, non, je vous assure, monsieur Mariani, ça serait très utile à Théo. C'est vraiment gentil, mais il a eu 13 de moyenne en histoire géo ce trimestre et je pense pas qu'il ait besoin de cours particuliers. Si je viens 2 heures par jour pendant une semaine, je le fais passer à 15. Facile. Oui, enfin, là, c'est quand même les vacances. Et puis, on part au ski. Oui, je sais, un chalet à Megève. Ah, mais oui. Vous savez quoi, je suis prêt à vous suivre. Un prof qui fait pas de sacrifice, c'est pas un vrai prof. Non. Non, attendez, non, je dis 15, mais je peux le faire passer à 18. Il a un gros potentiel, votre fils, gros potentiel. Merci, monsieur Glevarek. C'est vraiment gentil, mais je vais laisser Théo skier tranquille. Il l'a bien mérité. Ah, oulala, c'est la clinique. Pardon. Hein. Attendez, je vous le... Alors, tu as trouvé ton plan pour le ski ? J'étais à ça. Tu peux venir avec nous ? Tu vas où déjà ? Dans le Jura, avec ma femme, on a une studette. Bon, bah, va pour le Jura. Oh, génial. Tu vas voir. T'as des collants ? Parce que j'en ai commandé sur Internet. J'en ai 10. Pour une paire. Ça va, gros ? Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dois partir en Angleterre aux prochaines vacances. Mais c'est de la bombe ! Mais attends, mais moi, Londres, j'ai kiffé ! Là-bas, les Anglais, c'est à 12 degrés. Elles sont en mini-jupe, sans collant et en débardeur. Tu vas le délire ou pas ? Arrête, tu me charries. Je te jure, boîte de nuit, concert de rock, si, sex and sex and sex again. Tu vas t'éclater ! Mais merci, mais... Putain, tu m'as remonté le moral. Ah ouais, mais non. Mais quoi ? Bah toi, tu vas en Écosse ? Bah ouais. Ah bah là-bas, c'est de la merde. T'as que des grands lacs, des vieux, moches, gros, et il pleut toute la journée. Et je suis même pas sûr qu'il y ait internet. Si, il y a internet. Je te jure que non.
À ta place, j'aurais envie de mourir. Rédiger des bulletins, c'est déjà usant à la base, mais en plus, quand l'élève est nul, ça donne même pas envie d'user de l'encre, tiens. De quel nul tu parles? Il y en a tellement. Cochard. Alors lui, c'est désespéré. Non, mais il n'a que des appréciations épouvantables. Tiens, écoute ça, dort en classe, insolent, la meilleure, a mangé la grenouille qu'il devait disséquer. Oh, c'est un cauchemar, ce gamin, le pire de tous. Il n'y a pas un cours où il fout pas le bordel. Et la seule fois où j'ai eu le malheur de l'engueuler, il a crevé les pneus de ma voiture. Ça vous dégoûte d'être prof, tiens. Le pire, c'est que s'il continue comme ça, il va redoubler, on va se retaper l'année prochaine, hein. Tu sais quoi? Je crois que je me suis trompé, en fait. Il a 12. C'est bien 12, hein? Continuez comme ça. Gros progrès ce trimestre. Vous êtes sur la bonne voie. Oh, tu me le repasseras quand t'auras fini, hein? Ah, je pense aussi qu'il mérite des encouragements, ce gamin. Y a pas de raison qu'on soit les seuls à en profiter. On est bien d'accord. Et remise en jeu, là, allez! Moi, mon rêve avec mes élèves, c'est qu'ils parlent tous couramment anglais. Ah ouais? Ah ouais, je voudrais qu'ils voyagent dans le monde entier, quoi. Qu'ils puissent travailler à London, à New York, à LA. Voyez la grande tige, là! T'as rien dans le slibar, monte sur le porteur du ballon, merde! Ah, mais pour moi, c'est essentiel d'avoir un but, tu vois. Je pense qu'il faut voir loin. Wow! Mais toi, c'est quoi ton rêve avec tes élèves? Mon rêve? C'est qu'ils deviennent... C'est qu'ils deviennent tous comme moi. Comment ça? Qu'ils aient tous ce petit côté Fernandez, quoi. Ah bah ça c'est pas possible, Olivier. Non mais c'est pas possible! Mais vous faites comment pour être aussi con? Ah bah c'est grâce à toi ça, Olivier. Quoi? Le petit côté Fernandez. Ah bah si, ça c'est grâce à toi, hein. Ah bon? Hein? Tu trouves? Ah bah complètement. Bah ça me fait plaisir que tu vois ça, toi. Parce que je me donne du mal. Allez les jeunes! Allez, masse en cours! Bonne journée, ma chérie. Waouh, Charlotte, génial ta tenue. Ah, ça me fait plaisir parce que j'ai un mal fou à la trouver. La robe vient de Londres, mais je peux vous donner l'adresse si vous voulez, on peut la commander sur internet. Mais ça, franchement, avec plaisir, j'adore. Alors, c'est qui ton personnage? C'est une princesse au moins, non? Comment ça? À l'abordage! Non, j'ai oublié Mardi Gras. Oh non, Charlotte, je suis désolée, ma chérie. Parce que j'arrêtais pas déguisée, là. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Benjamin se lance dans l'art. Dans la gravure, précisément. Monsieur n'a rien trouvé de mieux que de graver sur le mur du préau Vidal à la plus grosse. Non. Non. Alors, la plus grosse quoi? On ne sait pas. Certainement pas la plus grosse intelligence. Papa, sur la tête de maman que j'y suis pour rien. T'es vraiment un petit con, hein? Ça t'amuse de jouer les vandales comme ça, là? Papa, je te jure que j'ai rien fait. Ils ont vraiment pas de thunes à l'éducation nationale. Ça fait 25 ans que j'étais élève ici. Ils ont toujours pas fait le ravalement du préau. T'as compris? Non. Il doit être jaloux, Jafar. La théorie de l'escalier. La quoi? C'est l'idée que tout à fond... La quoi? La théorie de l'escalier. Ah, mais... pas. La théorie de l'escalier. La théorie de l'escalier. La quoi? La théorie de l'escalier. Non, C'est l'idée... Je suis désolé. Tu mets ton blouson sur le porte-manteau, voilà. Non, hein. Y a un petit souci là, monsieur Marianne. Qu'est-ce qui se passe, hein? J'ai tout vérifié. Le goûter, les bonnets, les chats, les gants, ça va. Non mais ça, à la limite, c'est pas grave. Les affaires de piscine. Merde, je savais que j'avais oublié quelque chose. Merde. Ah, putain, fais chier. On se calme. Non mais je me suis trompé, voilà. J'ai cru qu'on était mercredi, et ben j'ai pris son tutu, voilà. C'est pas grave. J'en peux plus, madame Pitou. La garde partagée, là, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Une semaine sur deux, ça a l'air très sympa comme ça, mais il y a les semaines paires, les semaines impaires. Et puis il y a les vacances, et puis il y a les exceptions aussi. Ah bah oui, les semaines paires où ma femme a un déplacement, enfin mon ex-femme a un déplacement professionnel, et les semaines impaires où c'est moi qui ai une urgence. Et du coup, on doit les rattraper dans les semaines paires. Je comprends. Je vous assure que je fais le maximum, mais je comprends rien, madame Pitou. Oh là là, c'est pas grave. Juste, est-ce que vous pourriez aller chercher Mathilde, oui, et ramener Théo au collège, hein? Parce qu'il est un petit peu grand pour être en CE2. Je ramène. Oui. Pitou, on y va.
Un instant, monsieur Vidal. Vous pouvez rester, monsieur Mariani. Vous n'étiez pas là hier matin pour le contrôle de maths. Bah non, je vous ai ramené un certificat médical. J'étais malade, c'est pour ça. Je l'ai bien eu. Je l'ai lu avec attention, d'ailleurs. Conjonctivite, c'est ça? Eh, comment ça fait trop mal. J'avais les yeux tout rouges, je voyais plus rien. Et donc, vous êtes allé consulter le père de Mariani, qui est gynécologue. Bah ouais, parce qu'en fait, mon père, il est aussi gynécologue des yeux. Bien sûr. Et moi, en plus d'être prof, je suis aussi producteur de glu extra forte. Mais non! Je vous jure. D'ailleurs, samedi matin, vous êtes collés tous les deux. Foutez-moi le camp. Oh non, mais monsieur, ça se fait pas. Tire au flanc. Hein. Anne-Marie, ça bosse dur, là? Oui, oui, plus que les élèves, apparemment, hein. Ils sont désespérants de nullité. Quelle classe? 5e D. Oh là là, m'en parle pas, moi aussi, je vais corriger leur copie d'histoire. Oui, je te signale que la dernière réunion parents-prof, j'ai été la seule à tirer la sonnette d'alarme, hein. Personne ne m'a soutenue face aux parents d'élèves. Ouais, c'est pas faux. T'as mis combien, Pauline? Pauline, 7. Alors, c'est une catastrophe, là. 7, ok. T'as mis un petit commentaire? Oui, pour apprendre sa leçon, il est préférable d'ouvrir son cahier. Ah ouais, c'est bon, ça. Pour apprendre sa leçon, préférable d'ouvrir son... Attends, on peut savoir ce que tu fais, là? Écoute, je vais pas m'emmerder à corriger leurs copies, ils sont nuls. Je mets les mêmes notes que toi, on n'en parle plus. Mais enfin, Sylvain, tu peux pas faire ça. Ah si, je peux, si. Écoute, Anne-Marie, s'ils ont la même moyenne en français et en histoire, ton discours alarmiste gagne en crédibilité. Je fais ça pour toi, hein. Vidal, tu lui as mis combien? C'est joli, cette robe. J'ai mis 10. 10. Reviens! Deux heures de réunion par an, il n'avait pas une seule question sur l'anglais, rien! Ça allait peut-être venir plus tard. Ah, c'est ça, ouais. Des questions sur le français, sur les maths, sur l'histoire, même en sport, tiens, c'est dire. C'est quand même hyper important l'anglais comme matière. Puis c'est hyper intéressant, non? T'es pas d'accord? Si, ah, oui. Ben, voilà. Et j'en ai vu un qui te parlait juste avant que ça commence. Je me demandais si j'étais libre ce soir. Non, mais le problème, c'est pas la matière, c'est moi. Mais non. Mais si, je sers à rien, je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience, je suis pas assez crédible. Mais non. Mais alors pourquoi il me pose aucune question de merde, hein? Je suis une homme toute petite. Mademoiselle Sophie? Excusez-moi. Je peux vous poser une question? Ah, tu vois? Oui. Votre petite veste en jean, vous l'avez achetée où? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est très sensible. Oh, pauvre enfant. Est-ce que j'aimais bien sa veste en jean? Oui, oui, oui. On y retourne? Oui, bien sûr. Salut Audrey, ça va? Tu me poses souvent cette question, toi. Comme si tu cherchais à être toujours sympa. Tu sais, t'as pas besoin d'être aimé par tout le monde pour exister. Ok, d'accord, sinon tout va bien en ce moment. Même question, d'accord. Alors là, tu te sens percé à jour et tu passes en mode passif-agressif. Non mais tu délires là. Et là tu me rabaisses. C'est typique du pervers narcissique. Dis donc, c'est pas tes cours du soir en psychologie qui te perturbent un peu? Non mais tu crois que j'invente des diagnostics farfelus pour compenser ma vie d'infirmière pourrie dans un collège débile? Ah ouais, en fait t'es vraiment une super psy, tu vois, parce que c'est exactement ce que je pensais. Chapeau. Bonjour. Bonjour. Je pourrais vous poser une petite question, disons un petit peu confidentielle, enfin du moins délicate. Bien sûr, enfin n'hésitez pas, il n'y a pas de... Je voudrais faire une analyse génétique. Une analyse génétique? Oui. Enfin, si je puis me permettre, mais pourquoi faire? Ben voilà, depuis quelques temps, je me demande si Benjamin, il est bien mon fils. Vous? Enfin, il vous ressemble comme deux gouttes d'eau, il n'y a non, pas non, de... Non. C'est pas mon gamin, c'est pas possible. De toute façon, en France, on peut pas faire des analyses comme ça. Il y a un cadre légal, une enquête... Oui, prendre... oui, non, mais je sais, mais enfin, vous êtes médecin, hein? Vous pouvez peut-être faire quelque chose, je sais pas. D'abord, pourquoi vous pensez que Benjamin n'est pas votre fils? Parce que, voilà, depuis deux ou trois jours, oui. Systématiquement... T'es pas... Hé, hey, c'est pas la dernière. J'ai eu un 18 en français. Oui. Et puis, vous voyez l'appréciation, là. Quel lyrisme, tu es vraiment doué. Bon, j'ai un copain qui a un labo, je l'appelle. Vous inquiétez pas, Franck, ça, on va faire vite. Ça fait mal. Papa? Vous ne me touchez pas, s'il vous plaît. Voilà, vous restez à distance tant qu'on ne connaît pas votre identité, c'est clair? Merci. Non, mais... Je l'appelle, Franck, y a pas de souci. C'est gentil à vous de m'accepter pour me donner... m'accepter. Prêt pour notre réunion industrielle? Oui. Et un vrai? Il a déjà les yeux. Thank you.
Bah, dis donc, t'as une petite mine, toi. Tu veux que je te dise, Olivier, on sert à rien. Ouais, quand même. Peut-être que t'exagères un peu, là, non? Tu crois? J'ai demandé à mes élèves qui étaient Victor Hugo. Il y en a trois qui m'ont dit que c'était un joueur de foot, deux qui pensent que c'est une marque de fringues, et la moitié de ma classe qui m'a écrit « Victor Hugo est un grand parking ». Ça sert à rien, je te dis. T'as beau essayer de leur apprendre des trucs, ils s'en tapent tous. Faudrait peut-être que tu retournes voir ton psy, là. Hein. Ouais, tu veux une preuve? Ah ben, Vidal. Mm. Les cours seront annulés pendant 15 jours. Allez! Et voilà. Ok, à moi. Ah, Madame Desmoulins, on voulait juste vous prévenir qu'il n'y aurait pas classe pendant 2 semaines. Oh non, mais non! Tu vois, les parents, eux, au moins, ils savent pourquoi on est là. Excusez-moi, mais pourquoi? Alors, c'est parce qu'en fait... Non mais je m'en fous, qu'est-ce qui garde les gosses? Je veux dire, vous êtes déjà à 15 semaines de vacances par an, vous voulez quoi en plus? Vous servez à rien, en fait, quoi. À rien. Ça sert à rien, et puis c'est... Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est rien, c'est... Enfin, j'ai rencontré un mec samedi dernier chez des amis. Oh, c'est génial! Ah, c'est un mec super, hein. Et alors, hasard de crazy, il est aussi prof d'anglais, comme moi. C'est dingue! Ouais. Bon, on s'est revu tout ça, et il me dit que son big fantasme, c'est qu'on lui parle anglais pendant que... Oh non, arrête! Enfin non, d'ailleurs, arrête pas, continue. Eh ben, je lui ai parlé anglais. Et alors? Il m'a balancé à l'académie. Lundi, j'ai un inspecteur de l'éducation nationale qui vient dans ma classe. Allez, vous sortez votre matériel pour l'évaluation d'histoire. On se dépêche. Monsieur, j'ai un problème. J'ai eu un accident. Bon, Théo, tu prends ton sujet d'histoire. Excusez-moi, j'ai pris un ballon dans les yeux. Je vois plus rien du tout, là. Ah oui, non, Théo, tu peux pas faire le contrôle. Non, va à l'infirmerie, c'est mieux, je t'assure. Merci. Ah, au fait, Théo, si l'infirmière n'est pas là, n'oublie pas les clés. Au boulot, Stevie Wonder. Et merde. Il est bien vu, l'aveugle, bien vu. Alors... Non, c'est vrai qu'elle est très bavarde, votre fille, mais elle est tellement adorable. C'est vrai qu'elle est mignonne. Elle a une imagination incroyable. Ah hein. Bon? Oui, bah, tenez, par exemple, elle nous a quand même raconté que ce week-end, Catwoman était passée chez vous la nuit. Catwoman? Ça, c'est n'importe quoi, ça. N'importe quoi. Et qu'elle avait menotté son papa au radiateur. Hein? Et l'imagination des enfants, c'est vraiment extraordinaire. C'est formidable. Devant toute la classe, elle a raconté. Alors, papa, il était très en colère. Hein, il a même dit à Catwoman, la prochaine fois, t'auras une grosse fessée. Bon, bah, on y va, nous. Tu viens, ma chérie, tu as toutes tes affaires? Je me souviens. Le plus drôle, c'est que Catwoman, elle avait perdu les clés des menottes et que donc, elle a dû appeler le serrurier. Est-ce que vous imaginez 5 minutes Catwoman en train d'appeler un serrurier? Ah, pas du tout. Ben voilà. Bon, allez, à demain, moi j'y vais. Au revoir, Madame Pitou. Au revoir. Allô? Non mais attendez, et vous foutez du monde ou quoi? Ben, ça fait 2 jours que mon mari est accroché au radiateur. Ah, d'accord. Quoi, d'accord? D'accord, de rien du tout. De rien du tout? Non. Je suis pas d'accord. La vie est dehors, Régis. Et avec le sport, tu gagnes du temps sur la vie, tu vois? Bah, ça reste à prouver, Olivier. Ok, tu veux voir où on arrive un gamin qui réfléchit trop? Paul, viens voir. Va me chercher Benjamin, s'il te plaît. D'accord, je vais envoyer SMS tout de suite. Et voilà, tu peux pas faire 30 mètres à pied pour aller le chercher, c'est ça? C'est débile. Je suis pas d'accord. Enfin, 5 secondes pour un SMS contre 60 mètres en marchant à 3 km/h, ce qui fait environ 1 minute, plus le temps qu'ils comprennent, hein, ce qui fait 30 secondes. Ouais, 1 minute 30 de gagné. Et si l'on considère que ce genre de problème se pose une 20aine de fois par jour, combien de temps gagne-t-on sur une espérance de vie de 82 ans? Alors, ça fait déjà 30 minutes par jour, donc 182 heures par an, donc 621 jours. Tu vois, Olivier, les maths nous font gagner du temps, quand on les comprend. 30 minutes, multiplié par 365. J'ai pas. Attendez. Oui,
je suis désolé, monsieur Vidal, mais on m'a demandé de prendre des sanctions contre Benjamin. Il était encore absent ce matin à son évaluation d'histoire. Ouais, oui, non, mais c'est à cause du match à la télé hier soir. C'est pas souvent qu'on est en finale et on a un petit peu fêté ça. C'est sûr, un but à la 9e minute, ça met l'ambiance. Oui, non, mais ce coup franc pleine lucarne à la 43e. Elle a dû être joyeuse, la mi-temps. Oh, surtout à la fin. 2 buts dans les arrêts de jeu. Non, mais 4-0, quoi. 4-0, le truc de dingue. Mais vous avez raison de faire la fête. Un truc comme ça arrive quoi tous les 10 ans? Oh, le but. Oh, le but qu'il a mis. Sylvain, oui. T'as mis les choses au point avec M. Vidal? Ah oui, 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 oui. Je crois que Benjamin, d'ailleurs, a compris un des fondements du programme d'histoire. Ah oui. Le patriotisme. Oh là là. Oh le but, oh là là. Hé, hey, vive la France. Allons, elle est belle, la France. Parce que la galoche Vidal, c'est une galoche de qualité. Oui, madame. El Galocho. Je suis désolée. Waouh, monsieur, comment vous lancez super loin. Et encore là, c'est...